suis Bruce Ngali. Je suis réalisateur, écrivain camerounais. Ma vocation de réalisateur est née à travers celui que moi j'appelle le grand réalisateur africain, M. Bassek Bakobio, le délégué des écrans noirs du cinéma. C'est en suivant une émission à la télé et j'ai entendu Bassek dire que son rêve était de voir un jeune cinéaste, un jeune réalisateur camerounais faire plus que lui. Et ce jour, j'ai dit à l'un de mes amis, ce réalisateur, je suis sûr que c'est moi. Voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser. Et c'est finalement lui, M. Bassek, qui en 2016 m'appelle pour une formation dans un programme appelé Shooting Cameroun, formation en écriture du scénario. Voilà, et c'est comme ça qu'on a eu pour formateur Mohamed Arius, un Marocain. Là, c'était financé par l'ambassade de France et le ministère des Arts et de la Culture du Cameroun. Voilà comment je commence à m'intéresser au cinéma. J'entre pleinement dans le monde cinématographique à partir de 2016, voilà, avec cette formation-là. Et puis après, je produis un court-métrage, voilà, et où je suis réalisateur-acteur, d'ailleurs. Et puis après, je suis, voilà, je viens avec Les Enfants Fantômes, qui est ma première réalisation, qui m'a valu l'honneur d'être retenu au festival Écran Noir dans la catégorie documentaire court-métrage Afrique centrale. Ce qui m'inspire là, c'est en observant la société. On voit beaucoup de mots et on se dit il faut forcément faire quelque chose, contribuer à notre façon à ce que les choses puissent s'améliorer. Et pour moi, le cinéma est l'expression, n'est-ce pas, la plus appropriée pour faire part des différents maux que nous observons dans la société, des inégalités, montrer tout ce qu'on a, la beauté culturelle que regorge l'Afrique, parler de nos vies, de celles des autres. Pour évoluer dans ce métier, il faut dire que ce n'est vraiment pas facile. Je finance moi-même mes productions. Voilà, je mets les moyens en jeu. Déjà, j'ai la chance d'être salarié. Voilà, ça veut dire que j'utilise ce que j'ai. Et j'ai des amis aussi qui sont passionnés. Nous mettons nos fonds propres parce que nous n'allons pas rester attendre qu'une quelconque subvention puisse tomber, sinon on ne produira rien. Il faut bien pouvoir s'adapter avec le peu de budget que nous pouvons mettre en place, faire des films à petit budget. Je crois que c'est le défi du réalisateur africain et camerounais en particulier, de savoir que nous sommes dans un contexte où le financement n'est pas chose aisée. Que faire? Il faut pouvoir s'adapter, capacité d'adaptabilité. Alors on fait avec le peu de moyens qu'on a. On doit dire que le cinéma camerounais a nettement évolué ces 5 dernières années. On voit une montée croissante des films produits par les cinéastes camerounais, les jeunes réalisateurs camerounais, malgré le fait qu'on ne dispose pas de salles de cinéma. Voilà. C'est vrai qu'il y a Canal Olympia, c'est quelque chose de récent. Cela n'empêche que les jeunes cinéastes se mettent au travail. Et puis, on voit de plus en plus des films sortis chaque année. Et je crois que c'est encourageant, c'est motivant. Dans les pays comme les États-Unis, nous savons que le gouvernement finance les projets de films à 75% parce qu'on sait que la force culturelle, le cinéma, permet de mettre la culture en valeur. Et le soft power est cette force-là qui permet aux États, n'est-ce pas, d'imposer leur hégémonie aux autres. Donc à travers le cinéma, un État impose son hégémonie à d'autres États. Et je pense que l'État camerounais doit prendre conscience de ça et de savoir qu'il y a des jeunes réalisateurs talentueux et qu'il faut mettre sur pied des fonds pour subventionner les films qui peuvent passer devant un jury.